À Dermir, l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses. Alexandria Hypatia, alchimiste en chef. C'est un ancien solarium pour aristocrates capricieux et hypochondriaques. Il a été reconverti en laboratoire de recherche alchimique. Le tueur de la couronne sème la mort en mon nom, mais plus pour longtemps. On dit que le docteur Hypatia est brillante. Mais si elle est impliquée dans cette affaire, elle paiera pour ses crimes. L'entretien du relais. On va voir. Non. À mon avis, ils veulent simplement s'assurer que tout est en ordre. Personne passe plus par ici. Mais le duc est à la gorge sèche. Qu'est-ce que... Revenez ici. Des insomnies. Inutile de courir! Thank you.
Montre ta tête. C'est passé. Alors, prêt? Quelqu'un est à terre. On vit une période bizarre. Faut toujours rester sur ses gardes. Vaut mieux que j'évite de m'approcher de ce truc. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du voyage. Vermine! J'ai plus le droit d'aller au chenil. On peut nourrir les rats. Le prends pas comme ça. Les temps sont durs, alors essaie de te ressaisir. Quand l'institut était ouvert au public, j'étais fière de mon travail. Je faisais la bouffe pour les malades, je discutais recettes avec le docteur Ipatia. Maintenant, je sais plus. C'est vrai. Mais tu sais bien que ce serait encore pire de finir sans emploi.
le docteur Hypatia ne donne plus de consultations. Elle a attendu le moment qui est lâché la prise pour leur dire que les champignons étaient éliminés. Thank you.
cru entendre des mouches de sang l'espace d'un instant. Il se trame quelque chose. Plus de patients. Les hommes ne comprennent pas ce que ce docteur Hypatia a de si important. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? Oh, la prochaine fois que quelqu'un en parle, dites-lui que le duc nous fera écorcher vif s'il lui arrive quoi que ce soit. C'est très clair. Sinon, on aurait connu quelques minutes d'action. Enfin, au moins, au fond des lignes. Voir l'histoire se déformer à mesure qu'elle se perpétue, de bouche à oreille. Les mots mal ébauchés, mal compris, mal remémorés. Dans les années à venir, l'histoire du tueur de la couronne sera corrompue et fausse, déformée comme du métal. Pour certains, ce sera un monstre qu'il a fallu abattre. Pour d'autres, la victime d'une trahison, épargnée, car
finalement, tu as pris un autre chemin. Mais tu n'oublieras pas la vérité, toi. Ta vérité, du moins. Sorte qu'elle reste à sa place. Papa. Hein ? Qui a ouvert cette porte ? C'était peut-être le vent. Bon. Quoi ? Vous allez payer pour sa mort. Votre tête vaut son pesant d'argent. Vous avez envie de voir chercher des armes, la fin de votre patron.
m'y ferai jamais. Jamais vu une infestation de cette ampleur.
J'ai encore des taches sous les ongles. Qu'est-ce que j'utilisais déjà ? De la teinture d'iode, peut-être. Que... ça va aller ? C'est le docteur Hypatia. C'est elle, le tueur de la couronne. Mais elle n'est plus elle-même. Elle a conçu un sérum pour aider les mineurs. La première version a horriblement perverti son esprit. Ah, pour moi, c'est trop tard. Mais vous, vous pouvez peut-être encore la sauver. C'est quelqu'un de bien. Que puis-je faire ? Dans mon coffre, dans la salle des malades. Vous trouverez comment préparer l'antidote. Aidez-la. Oh, le code du coffre est 601. J'ai toujours rêvé de goûter votre chair, mon fidèle assistant. Je déteste cette odeur. Ça sent la maladie, la faiblesse, la peur. La prison de ma sœur. À tout le personnel de la Grande Gare, la relève aura lieu à minuit. Si vous ratez le bateau, vous ferez un quart supplémentaire et sans solde. Elle a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Hamilton est là? Comment va-t-il? Il perd la boule. Ça fait des heures qu'il gueule n'importe quoi. On ne comprend vraiment rien de ce qu'il dit. Si, il prétend avoir été attaqué par un monstre en pleine nuit. La chose voulait lui arracher le cerveau. Je vois. Pourquoi? Ils doivent savoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est prêt.
que c'est. Oh non, non. Je ne veux plus qu'on m'endorme. Je n'irai pas. C'est hors de question. Docteur Hypatia ? Oui. Désolée, je me sens pas très bien. J'ai dû attraper quelque chose en manipulant des échantillons infectés. Non, vous avez été empoisonnée. Mais ça devrait aller mieux. J'ai préparé un antidote à partir de notes que j'ai trouvées. Empoisonnée ? Ça va aller. Je vais vous remettre d'aplomb. Si vous avez besoin de rester tranquille quelques jours, venez nous voir. Mon allié et moi avons un bateau. Le Dreadful Whale. Je dois m'allonger. Vous avez beaucoup de mérite d'avoir retrouvé Anton Sokolov. Le vieil homme est entre les mains de Kirin Jindosh, qui lui dissèque consciencieusement l'esprit pour lui extirper tous ses secrets. Avec ses connaissances, qui sait de quoi notre prodige... Hein ? Ça y est, on peut partir. Je n'aime pas cet endroit. Quand vous voulez. Oui. Retournons au navire. Vous avez trouvé Sokolov ? Non. Mais c'est Hypatia, le tueur de la couronne. Quoi ? Je ne vous crois pas. Le duc s'est arrangé pour qu'elle s'injecte une version corrompue de son sérum. Qui l'a métamorphosée.
C'est grâce à l'antidote qu'elle est toujours en vie. Si elle se souvient des meurtres, ils pèseront sur sa conscience. Qu'en est-il de ce colloque ? On l'a confié à un certain Kirin Jindosh. Vous le connaissez ? Tout le monde le connaît. C'est l'inventeur en chef de Cerkonos. Alors c'est le suivant. J'espère qu'Anton va bien.